Si je prends la forme injectable, ce Mixtar aujourd'hui est vendu à 35 000 dans les formations sanitaires pour permettre à la population d'avoir réellement accès à ce flacon à coût bas. Le nouveau Rapide a une forme d'insuline qui a une longue durée d'action, donc qui est vendu actuellement à prix public à 75 000. Donc si je fais sortir juste, vous allez voir, ce sont des stylos très pratiques permettant à un patient de pouvoir l'utiliser à tout moment. Il peut se promener avec, comme un stylo. Au moment de s'injecter, il l'utilise juste, il met l'aiguille dessus et il administre, comme on appelle, la dose d'insuline qu'il faut administrer. Nous avons également d'autres types de stylos. Voilà, c'est le Mixtar. Et également, c'est l'Insulatar qui sont vendus aussi à 45 000. Les 6 dépôts régionaux. Nous avons le dépôt de Zérikoré, de Cancan, de Labé, de Farana, de Boké. Les dépôts sont approvisionnés en insuline, y compris les autres produits. Et directement à partir de ces dépôts, les différents hôpitaux régionaux sont approvisionnés. À partir de ces hôpitaux régionaux approvisionnés, il y a des unités de diabétologie qui prescrivent l'insuline pour la population pour leur utilisation. Nous insistons dessus à ce que les prix qui sont déjà pratiqués, les prix publics pour la population, soient vendus à ce tarif, permettant réellement non seulement à la population d'avoir accès facilement à l'insuline, mais aussi pour leur bien-être.